Guillotiné. Le jour où j'ai failli être guillotiné, où on a failli me couper la tête. Enfin, on n'a pas failli, j'ai failli moi tout seul me couper la tête. En fait, j'avais récupéré des chevrons, des demi-chevrons d'étagères. J'ai voulu les installer dans le garage. Et en fait, j'ai les transportés, j'ai chargé au maximum le Kangoo, au maximum de chez Maximum. Et je me suis retrouvé en fait à conduire légèrement décalé comme ça, avec les chevrons qui étaient là, enfin les panneaux, les montants, etc. Et en fait, j'ai roulé à 20-30 km heure, quoi. J'ai fait 20 km à 20-30 km heure. Je ne voyais pas le rétro à droite. Il n'y a plus de rétro au milieu, donc je ne voyais rien derrière. Et avec le rétro à gauche. Et sincèrement, un truc à jamais faire, quoi. J'ai failli. À plusieurs moments, j'avais la tête comme ça qui retenait les montants. Et j'ai vraiment failli. Il y aurait eu un accident, on retrouvait ma tête à quelques mètres et le corps de l'autre côté, quoi. Le corps dans la voiture et la tête à quelques mètres, hein, parce que j'avais la fenêtre ouverte. Et... Hop, ça c'est parti. Je pense que c'est un petit peu dangereux. Ouais, j'ai chargé la voiture à bloc. Je vois pas dans mon rétro. Au milieu, j'ai pas de rétro de toute façon. Mais je vois pas dans mon rétro à droite. Merde, oh putain. Oula. Alors là, par contre, je suis emmerdé. Là, il y a un camion. Il y a de la route, un tracteur. Hop, alors. Je vais monter des étagères à la maison. J'ai récupéré les vieilles. Et là, bah, vous voyez, je suis là. Ouais, c'est très, 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 très limitant. Je retiens les bois. Ouais, c'est un peu fou là, Philippe. C'est un peu fou parce que là, si j'ai un accident, ben, au moins la vidéo, Jacqueline, si c'est toi qui postes la vidéo, ben, tu pourras dire mon père, voilà, il a fait une connerie, il a chargé comme un taré et ben, dans l'accident, ça y a coupé la tête. Ouais, la tête coupée. Ouais, je vois rien là. À droite, je ne vois rien. C'est comme si j'étais borgne. Je fasse très très attention. Ah ouais, j'ai eu la tête coupée. Dans l'accident, j'ai eu la tête coupée. Ah ouais, ça c'est un bon titre. Ça va faire du clic, ça. Hein? Ça va faire du clic. Hein. Vous voyez là, à travers là, comment on voit? On voit rien. Si vous trouvez que je suis con, et ben vous cliquez sur con. Que je suis inconscient. Ouais, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Et bien, vous cliquerez sur j'aime ou le petit bouton bleu, vous pourrez la partager, mais surtout vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir des nouvelles. Voilà le jour où j'ai failli être guillotiné. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bye. Oh, sans déconner, t'aurais pu me laisser passer quand même, j'étais le premier là. Tête de con quand même. Bah, la vidéo, je vais l'appeler tête de con. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.